Eh ben salut tout le monde, c'est LesGamer54, on se retrouve pour une nouvelle série, toujours accompagnée de Sora Abyssia, évidemment, salut. Bonjour tout le monde. Et puis nous sommes aussi avec Mister Joe qui est en vocal avec nous. Oui. Et du coup, avant de lancer cette... normalement ça devait être la troisième série, mais ça c'est la deuxième en fin de compte, parce qu'on a fait une série sur Kingdom Hearts, et le début était génial. Mais après c'était venu de la merde. C'était nul. En plus il n'y avait même pas de quête, il n'y avait rien. En fait c'était comme si on faisait de l'exploration. Du coup ça nous a saoulé, on a arrêté. Voilà. Clairement. Et puis du coup on a un peu été dégoûté. Mais là par contre, cette fois-ci, ça va être très intéressant parce qu'il y a 6 chapitres. Chaque chapitre, les 5 premiers, ils durent à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Mais le dernier, le préquel, pour conclure la saga en gros. Ça dure entre 2h et 3h. Du coup voilà. Et je serai amicable à vous présenter tout simplement la map. Tout simplement. Alors la map c'est Mystère d'Herobrine, chapitre 1. En gros, on va savoir l'origin story de Herobrine, donc cette creepypasta inconnue. Lire les règles, c'est une map d'horreur. Donc on va créer comme des petites filles de 5 ans. Ça va être trop. Voilà. C'est ça. Donc il y a des règles quand même à respecter parce qu'on a beau s'amuser, hein, voilà, n'est-ce pas, monsieur les gamers qui n'arrêtait pas de dire des conneries sur Kingdom Hearts, hein, voilà, je ne dis pas du tout ça parce que c'est moi qui les faisais. Mais il y a quand même des règles à respecter, donc ne pas casser ou placer n'importe quel bloc sauf si on ne le dit. Hein, voilà, ça c'est ça. Voilà. Les nouveaux objectifs apparaîtront à l'écran quand on aura besoin de vous dire quoi faire. N'est-ce pas, Kingdom Hearts? C'est une histoire faite pour un joueur, mais cette map peut jouer en multijoueur. Bah oui, sinon on serait pas en train de faire cette série ensemble. Je ne serais pas en train de faire cette série avec le meilleur youtubeur streamer du monde, évidemment. Bah oui, ça n'a aucun sens. Enfin, mais ça serait quand même, sinon on serait le meilleur, mais bon. Bref. Mais évidemment. Et petite précision finale avant de débuter, c'est une map en 1.16.2 et on doit respecter cette note parce que si on ne joue pas à la map en 1.16.2, ça ne marche pas. Voilà, c'est ça. Sur ce, et voilà. Et puis aussi, je n'oublie pas qu'il y a 6 chapitres en tout. Alors attention, il y a des paramètres à faire et il faut les respecter. Si on ne les respecte pas, ça n'a plus aucun intérêt de faire cette map. Donc il faut se mettre en smooth lighting off. Ça c'est où ça? C'est dans les paramètres? Dans Sion? Ouais. C'est dans quoi? Level off, ok. Brightness 85-100, bon on va mettre en plus 100. Mais attends, toi t'as trouvé toi, mais moi j'ai pas trouvé, moi c'est où? C'est dans quoi? Donc tu fais échappe, option, video setting. Attends, option quoi? Option, il y a option. Oui, mais il y a deux options. Hein. J'ai option graphisme et description ou je sais pas quoi pour parler. Vidéo settings au-dessus de langue. Attends, je sais pas, je suis en train de chercher. Là. Il est pas encore. Il y est pas. Langue, t'as pas langue? Non. Bon, ok, alors attends, fais un partage d'écran, attends, sur Discord. Ouais. On va y arriver, Voilà, c'est le début, vous inquiétez pas, panique. Partager, bim, bam, boum. Oui, parce que Link ne joue pas souvent à Minecraft, tu sais, comme ça. Donc, t'as option graphique. Alors, je vais dans. Option graphique. Voilà. Blanc. Voilà. Donc, ta luminosité, tu la mets jusqu'à 85. Tu vas où rien. Combien? 85. Voilà. L'éclairage adouci, tu l'enlèves. Tu mets en off. Éclairage ici. Ouais. Et là, tu y es. Voilà. Ensuite, il faut le render distance. Le render distance, c'est la distance d'affichage. Donc, tu le mets à 15 tronçons. C'est où ça? En haut à droite. À côté de graphisme détaillé, ta FPS max limité. Voilà. Et là, je mets là. Je le mets à 15. Voilà.
Et après? Et après, c'est fini. Ok, on a terminé. Tu peux retourner in-game. Ouais. Are you ready? Begin. Ouais, yes. Begin! J'avais 5 secondes. Alors, utiliser la viande de zombies et des os pour faire du troc avec les villageois. Villageois. D'accord. Donc, ça, c'est le tuto un peu. Hein. Voilà. Ouais. Quand un boss meurt, oh putain, il va y avoir des boss. Oh merde. Ça peut prendre un item qui faudra dans le hopper. Mettez la brique dans le hopper pour ouvrir le coffre. Ça va. Parce que là, je me sens bien. Ouais, on comprend. Pour nous. Alors, il y a 5 sets d'armures différentes dans la map. Le game mode doit être en adventure, mais c'est déjà le cas. Commencez la map et suivez les objectifs. Allons-y! Pendant des mois maintenant, j'ai eu des aventures. Je me suis battu et j'ai survécu. Comme mon père. Oh putain, le scénario classique, putain. Toujours le même truc. C'était le 27 août 2008, putain, mon vieux. Depuis que cet étrange mystère a commencé. Depuis, j'ai perdu tellement d'amis, mais c'est bien la solitude. Max et Jen pensent que c'est la faute d'Herobra, et bah oui, il faut bien être coupable. Mais je n'y crois pas. La maison me manque, parfois. Mais pas tout le temps. Voilà, la maison me manque pas. Mais ma haine pour Herobra a vraiment commencé le 6 septembre 2008. Il s'est passé tellement de choses. Voici ce soir. Dans les alentours, c'est pourquoi je suis parti. Je me souviens de Max qui me dit... C'était vraiment inattendu pour moi et. Ah, la fin de l'histoire. Je vais devoir vous raconter comment l'histoire a commencé. Ok. Donc nous sommes le 17 octobre 2008, il est 9h du soir. Donc il est 21h. Ah, mais il faut que je live, merde! Il est 9h. What a day! Ouais, mais moi. Moi, du coup, moi, le 8. C'est quoi ce bruit? Ça s'appelle un éclair. Dylan, descends. Les deux maisons sont en feu. Je suis en feu. Oui. C'est bon. Ok, faut viser Max et Jen. Ah ouais, lui il va direct voir les objectifs. Il faut même pas les coffres s'il y a de la boue. Ah. Quoi. Bah, tu viens où ton épée toi? Bah dans les coffres. Bah où? Là, t'as une épée en bois. Là. Non mais j'ai déjà tout pris. Là, t'as une épée, là, tu fais clic droit dessus, normalement ça va te la prendre. Ah ouais. Voilà, allez, tente! Ah, regarde, on peut s'asseoir sur les chaises. Regarde, t'as vu, on peut s'asseoir sur les chaises. Ouais, ouais. Il y a des zombies qui vous butent. Voilà. Ouais. Faut pas spammer cliquer, Elite, fais gaffe. Hein. Tu fais moins de dégâts quand tu spammes les clics. Ah. Faut mettre un coup, reculer. Mettre un coup, reculer. Ah, il m'a donné son épée en pierre. C'est fou, Lit, non! Oh, il m'a donné son épée en pierre, cool. Bon, voilà, on a survécu. Ok. Oh! Genre, depuis quand un zombie qui a une épée? Sérieux? Bah, il s'est préparé derrière. Oh, il m'a encore donné son épée. Bon, on va où là? Je prends tout. Oh, j'ai une épée enchantée. Oh, je la prends. Oh, moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi et John, on était en train de cuisiner des steaks et on a entendu l'éclair. Des steaks. C'est ce que Herobrine a fait. Possible, mais je ne crois pas que ça vient du château d'Herobrine. Herobrine? Oh, prononce-le comme vous voulez. Herobrine. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais il y a des gens qui disent Herobrine, je te jure. Quand la foudre a frappé, j'ai vu un beacon voler dans les airs. Elle parle trop là, ça me gonfle. Petite montagne, en haut des graves ou des tombes. Tiens, prends ce micro. Micro. Tu pourras nous parler et investiguer quelque part. Head down the path and investigate the right of the graves. Ok, il faut aller à la droite des tombes et faut parler dans le micro apparemment. Bonjour quoi. Alors je veux tes cheveux, te vendre ça, tes bistecs. What a deal? What a twist? T'as de la chance qu'on peut pas se frapper. Ouais. Alors ça y est.
Bah t'es où toi? T'es parti où? Ah moi je me suis barré. J'ai trop peur de toi. Oh, c'est pas vrai. Oh, un arc! Et des flèches. T'es doué à l'arc? Non. Voilà. Oh. C'est donc vrai. Oh, c'est là. Ah! Maman! Au secours! Maman qui dit. Il a bien raison. J'ai peur! Ouais, je t'appelle maman maintenant, c'est avec toi. Ils sont tous enchantés, les gens. Soirée. Fumier. Enfin, y en a, il a deux épées. Hein. Soirée. Ah, je vais mourir! Je suis mort. Eh ben, heureusement qu'on a pas mis un compteur de mort, Lit, hein, parce que je pense qu'on serait déjà mort. C'est ça. Là, je n'ai plus du tout de sleeve violet. Tant pis. De sleeve violet, c'est ça que j'ai entendu. De sleeve. Ah, le sleeve. Ah, j'ai cru qu'il parlait de slip. Oui. Ah non, pas de sleeve. Non, mais il parle de. Le sleeve, lol. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai entendu, moi. Moi, je ne fais que répéter ce que t'as dit. Mais non. Apparemment, Jonathan a un sleeve violet sur lui. Non, un sleeve. Pour protéger les cartes. Ah, bah tant mieux. Bah oui, il faut protéger. Pas comme le slip. Protège les. Je veux dire la merde. Oh, je lâche l'affaire avec lui, il est trop con. Hein. Mon dieu. Ah, un Night Day qui sont décédés en 2008. Ah, Golden Knight. Oh. Ça donne pas envie d'aller. Wait, this wasn't here before. Ah, ah bah si. Ah bah si, faut entrer dans Golden Knight. Dans, à ta droite, c'est des bottes. Ah oui. C'est quoi, c'est ça? Bon bah, entrons dans le Golden Knight Dungeon. C'est pas comme si j'avais plus dit. Golden Knight. Voilà. You will need glowing levers or button to access certain area. Attends, on a besoin de faire monter les leviers ou des boutons pour accéder à certaines zones. Droit sur les systèmes pour... D'accord. Oh, c'est une embuscade. Oh purée, faut que je fasse tout le chemin. Oh. Incroyable. Bon, you, le machin. Oh. Oh, ça fait un éboulement. J'aime. D'accord, y'a rien du tout. Y'a alors rien du tout. Bah, en tout cas, hein, c'est mieux que Kingdom Hearts, hein, je veux pas dire, mais. Bah, oui, hein. C'est beaucoup mieux explicité pour le moment. La Libérie. Ou sinon il a passé. Je sais pas, apparemment ne pas aller par là, bah moi quand on me dit de pas aller à un endroit j'y vais. T'es comme les gosses là. Faut pas toucher mais à non, ça mais... Bah non mais c'est vrai, enfin c'est comme. Faut parler aux inconnus bien sûr. Ouais, ouais bien sûr, bien sûr. Bah oui. Surtout ceux qui ont les bonbons. Bah ouais. Bah oui. Non mais c'est surtout que c'est le truc qui me fait rire toujours, genre il faut pas aller là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font les personnages? Bah ils. Évidemment, sinon il y aurait pas d'horreur. C'est pas drôle. C'est ça. Comme le troisième étage dans Harry Potter. Bah oui. Regarde, Harry Potter, il y a un troll dans les cachots, qu'est-ce qu'on fait? Bah on y va. Bah on y va, allez hop. Ah ouais, de toute façon, ouais, on est des amis. On fait déjà la magie, je m'appelle Harry Potter, je suis le surveillant, ou alors. C'est un peu ça. Oui, c'est des marques de sorte, mais c'est des marques des autres soucis. Mais c'est où toi? Je te vois plus. Je trouvais un journal. Alors, le 8 septembre 2008, I always question why XXXXXXXXXX attacked XXXX village. He killed so many of our friends and XX of September 8 XXXXX XXXXX, Mayor, village, and lost so many good friends, Anna and Jackson. Ah bah ça c'est Michael ça. Excuse me. Oh. Bah, c'était facile. Évidemment. Excuse me, because also killed Liam Brown and all at the library, Morgan and Miller at Docks. It's me, Max and Jan Ross. Putain, y'a trop de noms à retenir, quoi. Finn, en fait, le mec, il écrit juste des prénoms. Puis Frémy, Kevin, Joe, Antoine, Harry Potter. Le mec, il écrit que des noms random. And Davidson. Orné.
We are the villagers and I can't forget my other who with Max and Rose. Putain, if I were to be honest, I am to become a jealous of my friend. He always gets the credit. I helped him today and a couple of days ago. 17 octobre 2008. I haven't written in this diary for a very long time. But that's because nothing much has been. Not this is Erobrin, why is this? I'm too late, you know that there may not be your friend anymore. On sent le mec qui est bien français, bien, l'anglais parfait, puis après Morgane. Il est anglais, non, oui. Morgane, like in Persona 5. Tu sors ça en examen d'oral en anglais, bah t'as zéro. Pardon, tu dis Morgane. Moi je dis Morgane. Morgane. I have a very good accent. I have 100 drugs. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Dead end, I told you to come back. You have got a big dick. Suck my fucking big dick. And suck my cock. Oh, c'est bon, ça c'est bon. Miss Supporter, our new celebrity. You're a big shit. Harry, you're a big shit. Ils ont même pas fait la chatte d'Hermione. Alors qu'on attendait tous la chatte d'Hermione dans la version PS1 de Harry Potter à la Chambre des Secrets. Elle n'est arrivée que dans 3. Et oui. Et pourtant, cette chatte, c'est un mâle. Ouais, oui, c'est pas roux. Rond. Et roux. Mais du coup, vous avez pensé, enfin. Ouais, oui, c'est pas tant rond. It's Scooter. Don't your pussy if you have not. Allez, il est parti. Oh, steak. Bon, ça suffit dans le langage. Non, mais là, on passe de Harry Potter, on parle de pussy. Si le chien, bien sûr. Victories. Bon, bref, on arrête. C'est bon. Oh là 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 là. Est-ce qu'on fait énorme. Big. He sucks. Oh. Il est parti. Premier parti. On l'a plus. Non, mais moi, ça y est, moi, quand je suis parti sur la bite, je peux plus me retenir. En plus, enregistré, du coup, tu pourras pas dire oh, non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Ouais, là, il y a la preuve. Mais sinon, qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce que j'ai. On peut pas passer là, pourquoi on peut pas regarde passer? Regarde Minecraft! Bah non, il parle de. Sorry for the gay person, but I am hétérosexual. Est-ce que c'est par là qu'il fallait aller, d'ailleurs? Bah, je sais pas, moi, j'étais perdu, moi. En fait, il fallait prendre. Et du sexuel. Après, on parle de vie, mais ça se concentre pas. Il m'a tué l'autre. Alors, tu parles de vie, c'est pour se concentrer sur la main, comme personne, hein. Tu commences très bien l'année, toi, hein, Jean-Cuisine. Non, c'est tout long. Non, mais c'est vrai, en vrai, qui a déjà eu cette réflexion quand vous étiez à l'école? Oh, bah dis donc, tu fais déjà des bêtises. Bah dis donc, tu commences bien l'année 2023, hein. Que ça va être l'année prochaine. On a tous entendu. Et ça, le pire, c'est que je m'en souviens de ça. T'es parti où, là, Rémi? Bah, je sais pas, j'ai voulu faire demi-tour au poulet, mais il y avait rien, quoi. Bah, je sais pas, il faut faire quoi, là. Non, mais attends, on devait entrer dans le donjon du Golden Knight. Golden Dick, si vous voulez. Donc, on l'a fait, il y avait des leviers activés, et on a eu une embuscade et deux zombies. Et ça disait, you will need glowing levers or buttons to access certain areas. Donc, on doit activer les leviers ou les boutons vers le haut pour accéder à certaines zones. Clic droit sur les items pour les prendre. Et bah, en fait, ça m'a plus rien dit en objectif. Il rigole encore par rapport à ce que j'ai dit sur la poussée dernière. Tu me sors un buton. C'est con de rire à ça, mec. Ah, je l'ai dit avec moi, je suis pour beaucoup rire avec toi. Bah, tu vois, au moins. Il va dire Button maintenant, il va dire Button. Au moins, tu vois,
au moins grâce à cette série, les gens ils diront que je suis quelqu'un de bien sur ma nouvelle chaîne YouTube, qu'il faut aller s'abonner. Oui, je me dis en même temps. Oui, bah oui. C'est plutôt please for the like. Clique le bouton subscribe. Bon, peut-être faudrait libérer. Faudrait peut-être. On va aller vers le pont de Netherbrick là, mais on peut pas revenir, j'ai l'impression. Pourquoi? Bah, je sais pas, y a pas d'accès pour remonter, j'ai l'impression. Et ben, on peut pas péter un arbre. Bah non, on peut pas péter les blocs, on n'a pas le droit. Ah oui, c'est vrai. Ah si, c'est bon, regarde, j'ai réussi. Ah yeah, GG. Bah c'est bien, au moins tu suis la carte Minecraft, comment c'est. C'est pas comme l'autre là qui parle de dit, de poussi, de bouton. C'est bon. Bah... C'est bon, je suis de l'autre côté, Olivier, ça passe. Il était que de chair. Mais je suis chair. Ah non, regarde. Elle est là, coucou. Coulou. Allez. En tout cas, on est plus fun que. Tu vas avoir peur pour le moment. Moi. On est plus fun que horreur là pour le moment, j'ai l'impression. Ouais. Ah, c'est vachement horreur. Hein. Ah ouais, non, mais là, attends, Hérobrine va arriver avec sa chute là entre les. Il y a du beau streamer à la Hérobrine. C'est là qu'il y a un pile un screamer et bam, cardiaque. Il m'en faut plus pour me faire peur. Non, moi ce qui me ferait vraiment peur c'est Herobrine. Herobrine, oh putain la vache, j'ai osé dire. C'est Herobrine qui montre sa dick. Ce qui me ferait encore plus peur c'est la chatte à Geneviève de Fontenay. Là-bas, Libéry. Bah justement j'hésitais, je me disais est-ce qu'il faut aller à la bibliothèque ou pas, je sais pas, on va y voir. Allons à la librairie et on trouvera peut-être des trucs. Le monstre. C'est là-bas. Le trait. Bah, en tout cas, la librairie elle a un grand trou pour pouvoir mettre ça. La couverture de bouquins, bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. Oh, level. Bravo Neil. Blocked, do not enter. D'accord, je ne enter pas. Très bien. Il recommence. Ah, il y a une cartographic table. Là, j'ai bien dit, là. Très bien. Ah, là, il y a page 1 of 1. Je suis tellement trigger Joe en disant ça. Oh, regarde, il y a un trou. Un trou. Ouais, oh, en français un peu parce que. Un trou. Oh regarde, bloc de mineshaft. Mineshaft. Oh regarde, mineshaft. Regarde, this is a stick. Attends, je suis bloqué. It's my big stick. Je suis bloqué. Between my legs. Bah tu montes là. Ah non, t'es pas sur la toile d'araignée. Ouais. C'est pour ça. Je mange mon feu. In the hole. Putain, heureusement que Drake il est pas avec nous, putain, il paniquerait. Il serait pas bien là. C'est ça. Bon, sinon, Herobrine, quand est-ce que t'arrives là? Parce que on se fait un peu chier, je suis ici. Fais-moi. T'es sûr que c'était marqué map horreur et pas map humour? Et ça, c'est marqué quoi? Comme pas humour. Mais map horreur, mais une étoile sur cinq. Au vrai, c'est censé faire peur. Peut-être si je mets des modes. Ça fait peur. Ouais. Je pense que la map passerait peut-être mieux avec des modes en vrai. Le mode Herobrine qui peut exister. Ouais. Oh oui. Oh yeah. Putain, si l'exo il était là lui aussi, il paniquerait avec nos blagues. Oh super, si j'adore mon si il comprend, bien sûr. Aucun coffre. Ah, le mur qui est en train de tramer. Peut-être à nous là-bas. Ah, bah oui, allons vers le danger. Pourquoi je peux pas aller dans une trait? Je suis trop gros. Je sais pas. Essaye de rentrer là-bas. Eh, hey, attends, il y a un petit truc sympa ici. Non, il y a rien en fait, je crois. J'ai vu un coffre avec un autre. Non, c'est qu'à mon avis, quand il y a des murs invisibles, ça veut dire qu'on n'a pas débloqué l'accès, donc ça veut dire que c'est pas par là qu'il fallait aller.
Ça se trouve, c'est la fin du chapitre 6 ici. Ouais, voilà. Ça doit être la fin du chapitre, quoi, je pense. Tout est dans le désordre. Bah, on est bon, ok. Bon, sinon, qui est votre personnage préféré dans Harry Potter? Parce que là, je pense qu'on a le temps de faire débat là-dessus, hein, le temps qu'on trouve la solution. Qui est mon personnage préféré dans Harry Potter? Moi, je dis Quirrell. Quoi? Non, non, je plaisante, c'est pas Quirrell. Moi, c'est Ginny. C'est qui? Ginny. Moi, personnellement, j'aime bah, bien... Moi, je veux dire... Un mot grec est sympa. Ouais, j'aime bien Maugrey aussi, Maugrey. Ouais. Bon, tant qu'il est Maugrey et pas Maugrou. Oh. Mais j'aime beaucoup Hermione pour sa poussie, hein, évidemment. Bon. Épaulé. Oups, ok. Bon, je vais arrêter parce que pour vous dire, il va se faire ban de sa finitude. C'est ça. Il veut dire oh, il y a du langage corporel très mal utilisé. Après, là dedans. Hein. Voldemort, il est bien comme personnage parce qu'il a une histoire qui est extrêmement chargée. Ouais. C'est un des rares machins, rares méchants. Méchants. Avoir une histoire, on va dire, une grosse histoire sombre. Bah, il y a eu des fanfilms d'ailleurs sur ses origines et tout, et c'est bien fait. C'est pas des acteurs genre mauvais acteurs. Tu vois. Ah oui. Mais t'es où toi? Parce que je te vois plus. Je suis revenu complètement en arrière. Ah. Tu sais à l'intersection où il y avait Library ou The Haunted Graveyard là. Je suis revenu complètement en arrière. Alors pour les connards qui sont premier degré, évidemment, je fais exprès hein, de mal prononcer certains mots anglais, je suis tombé dans l'eau. Ça va, Diddle et non de Middle, hein. Il fait un effort. Ah bah oui. De toute façon, les gens qui sont premier degré, vous dites demi-dalle alors qu'il faut dire dalle. Bah oui, demi-dalle, c'est une dalle, tu le coupes en deux. Voilà. Bon, et puis mais vous avez 15 ans, vous savez toujours pas écrire CCD pour ça va. Ah oui. Mais oh. Attends, déjà, à 15 ans, ils savaient écrire Fortnite correctement. Ah ouais, bah ça... Tu vas l'enfoiré, tu vas défoiré ma gueule. Ah mais j'ai un levier là. Carte bancaire. Mais on est trop con. Mais toi t'es où? Skin pour 10 ans 99. Mais je vois pas, t'es où? Regarde, ouais. Là, où? Là. En fait dans le Golden Knight on devait juste explorer la tombe, il y avait un levier qui était planqué là. Voilà, il y a un passage, c'est bon, on va pouvoir continuer. Oh mais qu'est-ce qu'on est con. Ok, là l'horreur va commencer, là je vais commencer à me pisser dessus. L'horreur va commencer. C'est le corrosif que je préfère, corrosif. C'est la map que je préfère, c'est la map. Tiers 1? Pourquoi il y avait tiers 1? T'as pensé que c'est par tiers 2? Là je les rendrai pas maintenant. Hop. C'est la meuf que je peux faire, c'est un meuf. Oh putain, il va rouler. Faut pas se faire m'expliquer, lui. On fout. Je spam comme merde. Parce qu'il y a un temps de recharge complètement idiot. Hé hey ouais. Je suis piégé ici. There has to be a way out. Ah, a way out, ça dit quelque chose, vite. Oui. Et je vous apprends ça. J'ai trouvé le levier. J'ai trouvé quelque chose. Mais non, t'arrêtes. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je vais rendre le chevalier doré plus fort. Oh non. J'ai besoin de le trouver. Oh shit. C'est classique. Okay. Refusing to fight. Non, je vais pas refuser. Fight project. Putain, j'ai l'impression d'être dans Resident Evil là où il y a, tu sais, il y a les zones qui commencent à s'infecter. Wizard Evil 6. Qu'est-ce qu'on a par là? On peut pas y aller? Bon bah, on revient en arrière. Hey Robray, c'est où? Bonjour monsieur squelette. Puis-je vous tuer? Ah bah non, je peux pas vous tuer, vous êtes déjà mort. Comment si je te fais? Oh putain. Ah, c'est un squelette qui rentre dans un dar. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les parkings, il y a toujours des lignes blanches pour pas dépasser.
parce que la semaine dernière, je me garais sur le parking de Auchan et le gars il me dit faites gaffe, vous allez perdre des points. Et je dis quoi, des points de fidélité. Waouh. C'est une vraie blague de Jeff Panacloc. Voilà, en dis, vrai, le restaurant d'hier, c'était incroyable. Voilà. Ça va faire une fois dans sa life. Ah ouais. Je parle du resto. Aragog. Ah, t'as vu les bons plats que j'ai mangés? Enfin, j'ai écrit au bon plat que j'avais mangé hier. Ouais, parce que d'ailleurs, tu m'as fait super peur. J'étais en mode non, mais attends, il est sérieux, il bouffe dans un resto 5 étoiles et c'est dégueulasse. Y'a un problème, chef. C'est de la rafraîche ton resto, j'ai jamais bouffé là-bas. C'est clair. Après, quand tu m'as dit non, mais c'est incroyable. Je dis bah oui, je dis regarde, il marque LOL en énorme et moi je dis à moitié le message. Mais c'est bravo. Ah oui, bien sûr. Oh, putain, c'est incroyable. C'était incroyable, belle expérience. J'ai le Power Soul. Et non, n'écoute ça. Là, je suis d'accord. Rassembler toutes les cartes, on a la même rareté et la grosse rareté, c'est bon. Il fait tout noir. Au school. Ça brille de partout, c'est joli. Je m'attendais à ces petits screeners, hein, mais y'a pas grand chose. Hein. Ouais, vite, on va voir. Ah bah tiens! C'est lui le Golden Knight, bah il est. Pas beau. Pourquoi t'as deux épées? Ah. Ah. Il faut juste que je joue mes cartes. Ah bah tiens, Alexo est en live. Ah. Ouais, bah pourtant on est pas dimanche, on est samedi. Bah peut-être, pour la... bah, peut-être que là-bas ils sont jeudi. Ah ouais. Ouh, Demon Heart, ok, faut prendre le. Oh, oh, regarde, oh regarde, c'est stylé, il y a une barre au-dessus et tout. Ouais. Bien fait. C'est trop bien fait. Oh là là, oui, c'est trop bien fait. Comme ma première fois avec ma copine, c'est trop bien fait. Oh non. C'est normal, les premières fois, t'es pas satisfait. Oh si, ça va, elle était potable. Oh oh oh, potable. Allez, 10 sur 20. aujourd'hui, c'est une grosse pute. Ah, tu le ressens story. En général. En story, général elle est partie coucher avec un de mes ex-potes. Sextoy Story. Ouais, c'est ça. Ah. Ouais, bah, nos fartropos, nique ta mère. Oh. Je vais poser une merde. Ouais, pas ça. Exit the dungeon. Ah, t'inquiète que moi, les donjons, je sais les exciter, moi. Ah, il est fou. On a quand même tué un à boss, hein. So, Steven killed the Golden Knight, I need to find him. Ah bah c'est le brain en plus, c'est en train de parler. Oh. Mais t'es où, fais-le. Bah ouais, c'est pareil, en couille, on a rien à faire. Non, ça va. Bon, je lis plus les textes parce qu'il parle beaucoup trop dans cette map. Ouais. Voilà. Ok, faut trouver le village d'Alistair et the pass next to it. Ah, on doit trouver le Hunted Graveyard, mais on l'a déjà trouvé. Oh. C'est quoi ça? C'était Robren? Ouais. Là? Tu vas où tu. Tu... Ah, bah oui. 19 octobre 2008 à 21h45. Putain, mais je suis en retard de 45 minutes pour mes lives, mais what the fuck? Je travail. Et du coup, faudrait quoi? Ah, bah oui, putain, là, je suis vachement en retard, c'est vrai. Ouais. Et en plus, c'est vrai? Eh, 17 octobre 2008, 21h45, il est 21h55. Eh, on est presque synchro avec le jeu, t'as vu ça? Ouais, mais pose-toi les bonnes questions si c'est vraiment comme en vrai, parce que là... Ah d'ailleurs, Joe, elle m'a pas répondu hein, pour le moment. J'adore encore. Ouais. Ouais, on t'en pensait à Rémi. Je vais aller chez elle, je vais la réveiller, je vais dire « Debout, feignasse !» Ah bah si un jour, bah si un jour elle dort chez moi, je peux t'assurer que elle dormira pas. Elle va pas se lever tard, crois-moi, elle va se lever tôt. Hein. Et puis elle dormira pas trop tard. Hein. Oh si, on dormira peut-être un peu tard, on sera fatigué, mais pas pour ce que tu penses. La nuit quoi, inoubliable. Ah oui, t'inquiète pas, cette nuit sera inoubliable pour elle comme pour moi. Je l'ai dit tellement avec une voix de genre en mode... Il a bien dit comme pour moi, bien sûr. On va être en mode relax. avec la source chaude bien chaude, évidemment. Au revoir les. Avec la fumée de la source chaude.
Waouh. Oh. Oh, on peut rentrer ici maintenant. Ah ouais, bah ouais. Ah, y'a Rip. Je sais pas qui c'est. Harry. Non, Rip. Y'a les torches. Qu'on t'a fait pour rentrer. C'est moi le bouffon, hein, t'inquiète, hein, c'est pas toi que j'insulte. Oui, mais le vert. Oh. T'es vert du coup. Oh putain, regarde la technologie de ouf. Je m'en Comment t'as fait pour rentrer là-dedans? Bah en fait, tu actives la... Voilà. Complètement. Complètement. Technologique. Logique. Je m'insère comme un... Un asticot. Comme un ver de terre. On est bloqué. Ah, faut que je trouve un bloc de fer. T'as vu un bloc de fer dans cette pièce? Non. 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 Oh là 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 là, mes pauvres amis, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire de ma vie? Franchement, je vous assure. Voilà, c'est bon, c'est tout bon ça. Ah, bon, c'était juste pour ça, mais on a juste un petit tour, non? Ouais, sûrement, oui. Je suis perdu. Je suis super. Je suis perdu, arrête de sniffer. Je suis perdu. Perdu. Arrête de sniffer. Personne qui a pas d'expérience. Perdu. Perdu. C'est grillé. C'est ça. Au grippin, c'est grillé. Mais... Y arrive ? Non. Vous avez un petit coup de main ? Oui. Voilà. Merci. Que vous avez demandé ? Ah, le vieux, tu as fait le vieux ? Hein ? Oui, oui, le levier, je l'avais fait, c'est ce qui a permis d'ouvrir cet accès. Ok. Ok. Mais y a rien ici. Ah, si, y a une plaque. Ah, j'avais point vu la plaque. Non, bah, c'est un souhait en plus, regarde. Le missing reste une pisse. Ah, t'inquiète que je vais te trouver moi ta pisse. Personnellement, je ne saurais pas chercher une pisse. Moi non plus. Oh non. J'ai fait un péter au dos. Donc, si tu la filtres, bien sûr. Oh. Mais bien, puzzle. Mais qui m'envoie un message? Thibaut, ah, tiens. Toujours le même. Un message? J'aurais cru que c'était la donzelle. Non, 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 c'est Thibaut. Ah bon, c'est du coup. Il était en live tout à l'heure. Non, c'est parce que c'est pour dire qu'il devait être en live ou un truc comme ça. Mais il était tout à l'heure. Mais il faisait du Pokémon. Attends, il me demande de trouver une redstone pie, j'ai activé la lampe et qu'est-ce que ça a fait? Le numéro de Thibaut. Ah, ça a ouvert cette porte-là, je ne l'avais point vu. Il habite pas en France? Bah si. Si, il habite à Bess. En Belgique. Bah non, c'est, fou, c'est non, mais c'est sa copine qui habite en Belgique. La Belgique. Ah d'accord. On mange bien. Ah oui, il habite dans. Eh oui, il a dit, il habitait du côté de la Savoie. Ah. Mais non, il habite à Metz. Il habite en Meurthe-et-Moselle. Ah. Ouais. Reste là, Lit, bouge pas. Tu vas te mettre devant la porte en fer et tu vas me dire si ça l'ouvre ou pas. Effectivement, il est en live. Pokémon, il va rejoindre Pokémon. Ça ouvre la porte en fer ou pas? Bah, quelle porte en fer? Je n'en vois pas. Vas-y, appuie. Appuie. Ouais, j'appuie. Mais ça fait rien. Ok, donc c'est que c'est pas là, c'est plus tard, alors reviens. Alors je m'étire un peu là parce que j'ai mal au dos. J'ai très mal au dos. Ah la vache. Ah là 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 là, mais je vois pas ce que ça a bien pu ouvrir.
Tu, chapeau pointu. Je m'attendais tout à ce que vous fassiez cette chanson. Mais après tout, pourquoi pas. Mais... Je suis un peu calmé là sur les blagues de cul et tant mieux, je pense que... Le cul, c'est la vie. Mais Lydie, tu sais pas ce que j'ai mangé hier soir. Non. Non. Mais tu sais que d'ailleurs, il m'a fait un scandale. Non, qui? Il m'a pas fait de scandale. Mais en fait, tout à l'heure, on était en vocal avec lui quand on tournait notre avis sur un film. Et j'avais dit oui, tu sais, d'un coup, j'avais envie de donner des nouvelles de la donzelle. Et le pauvre, je n'y ai même pas envoyé les screens que je t'avais envoyés. Ouais. Et du coup, il m'a fait scandale. Non. Ah oui, tu n'avais pas envoyé encore les screens. Bon, c'est pas... bon, après, c'est quelques screens, c'est pas la totalité, évidemment. Non, c'était tout, là, ce que vous avez vu. C'est ouais. La totalité de ce qui s'est passé en 3 jours. Totalité en 3 jours. Ah bah oui. Je l'ai dit en plus. C'était une partie, moi. Non, je t'ai dit, je te donne tout en 3 jours. Bon bah moi je m'en sers. C'est pas assez. C'est bah tout. Bah ouais, mais c'est elle qui met du temps à répondre. Moi dès que je vois qu'elle m'a répondu, je... Ah, elle met du temps à répondre. Tout de suite. Ah, mais c'est la c'est la carte. Ouais. Si. J'ai trouvé le trou où insérer ma big dick. Regarde. Pouf. C'est pas si simple que ça. Il va falloir rentrer dedans. Rentrer dedans, bah t'inquiète. T'inquiète. Dans un autre sens, bien sûr. Ouais. J'ai le trou de la serrure, ça va. Mais j'aurais où ils étaient en train de faire l'amour, le zombie squelette. Hein. Merde, j'ai plus d'épée. Merde, j'ai plus d'épée, je vais mourir, ta merde. Amour. Oh, mon prince charmant vient de trouver. J'ai plus qu'un demi-cœur. Ah. Moi, je propose. Oui. La semaine. Fais comme t'avais fait cette semaine. Et puis, week-end qui arrive, paf. Je demande rendez-vous. Mais c'est trois jours et demi, on va dire, parce que c'est dimanche quand j'ai envoyé le message de. Machin, là, de réveillon, de jour de l'an, de ce que tu veux. Plus lundi, plus mardi, plus petit peu de matinée de mercredi. Mmh. C'était trois jours. Et bah, tu demandes un rendez-vous pour le week-end suivant. Hein. Et après, c'est bien. Ouais, j'aurais fait ça. Ah ouais. Non, c'est pas donc, pareil. Le week-end qui arrive, là, on passe ce week-end-là, le week-end suivant. Je me demande un rendez-vous pour voir, boire un verre, tranquille, et puis, bah, pour le week-end suivant. On va m'a complètement oublié. Non, comment l'as-tu oublié là cette semaine? Ça s'est pas fait chier, je pense, en tout cas. Bon, ça s'est pas chier. Oh, braille, cours! Je ne pense pas. J'ai crié, hein. Ouais. Après, par un ralenti au montage, je saute crié. Run, Lilian, run, Forest, run. Je l'ai revu d'ailleurs, Forest Gump. Excellent. Cours, Forest, cours! Comme avec les femmes. L'amour, c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. On sait jamais sur quoi on va tomber. Vous connaissez. Wouah, c'est lui. Wouah, c'est lui. Je sais pas si vous connaissez. Ah oui, c'est sur un live, il a sorti. La vie, c'est comme une pute. Appelez-moi la sortir. Je sais pas si vous connaissez Not Serious. Je sais pas. Ah, c'est lui qui me frappe. Et donc ? Attends, je suis un peu occupé là. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Derrière toi ! Je connaissais Not Serious qui a fait. T'as déjà vu quel film ? En fait, il raconte le film, genre vraiment le film. Comme s'il était. Comme si il était dessiné, mais ça avec un peu d'humour. Hein. Et dans t'as déjà vu Billy Big Holiday, je crois que c'est là. Il refait une scène de Forrest Gump et il dit « Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. » Elle était spéciale, maman. Lit, normalement tu as looté une petite étoile dans ton inventaire et bah faut la jeter dans le... Okay, là. Où ça? Ouais, tu l'as jeté. Comment j'ai fait? Je sais plus. À Noël, c'est avant Noël, j'ai découvert. Non,
non, c'est pas le film Astérix et Obélix avec la potion magique. Le secret de la potion magique. Merci. Ok. Protège-moi. C'est bon. Il est sympa, mais c'est. Ouais, c'est pour fou. De qui j'ai pas suivi. Astérix et Obélix et le secret de la potion magique. Ah. J'ai jamais vu. Toi, que c'est pas l'Empire du Milieu. Non, c'était ce film-là, et puis c'est très drôle, mais je pense qu'il pouvait mieux faire pour ce style de film, l'animation, tout ça. J'étais un peu déçu à l'arrivée, c'était sur ma fin. Là, il y a les trucs dans le coffre, si tu veux prendre. Sauf que j'ai jamais vu ces films-là, enfin, le film. Conseil, si vous voulez passer un bon moment, puis c'est tout, quoi. Avoir une fois. C'est genre film, ouais, c'est sympa, mais avoir une fois. Ok. Ah, tu vois, faut aller à la bibliothèque, maintenant. Et il est 11h15, putain, déjà. Enfin, dans le jeu, bien sûr. Pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il est que 10h. 11h15, oui. Pas au Canada, en tout cas. Il est 11h15 en Russie. Non. Oh, pardon, c'est les nuits du cœur. Il vient de... vomir dans la vidéo. Prout. Arrête, attends quelques mois, c'est sûr que j'y avais un droit. Non, ça va, en plus. Bon. Je vais checker après. Le vomi accidentel. C'est ça. Eh ben non, pas de message. Toujours pas. Elle a même pas vu. Non mais elle va m'envoyer un message, il va être 3h du matin. Mais d'ailleurs, Joe, puisque tu as suivi mes vidéos, tu as dû voir que dans certaines de mes vidéos, je dis ouais, je suis fatigué, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, j'ai fait une grosse insomnie. Mais non, mais c'est à cause de cette gonzesse que je fais les insomnies. Parce que quand elle me répond à 3h, je me dis oh vas-y, je vais pas lui répondre à 9h parce que sinon elle va croire que je l'ignore dans le genre, tu vois. Je suis en mode je lui répondrai plus tard. Hein. Ouais bah oui. Ah oui. Mais du coup, c'est quand je dis que je suis fatigué, c'est parce que c'est elle qui m'épuise en fait. Parce qu'elle me répond. Ouais, bah, c'est bien que tu donnes un peu de liberté à la nana non plus. Enfin, c'est bien, parce que du coup, c'est pas des messages toutes les secondes. Oui, avec délicatesse aujourd'hui, avec les femmes aujourd'hui. Ah ouais. Délicatesse, c'est pas trop non plus, il faut un juste milieu en fait, c'est pas facile. Mais elle est adorable donc. Quand déjà elle me disait des trucs par rapport à sa scolarité, comme quoi elle faisait des malaises, ce genre de trucs, et puis que les gens ils n'en avaient rien à foutre, alors que tu sais, c'est le genre de nana qui était assis au premier rang, tu vois, donc genre impossible de couper, tu vois. Et on a fini par s'inquiéter d'elle quand elle a voulu faire une tentative. Tentative de quoi? Je vous l'ai dit. Ah oui, c'est sûr. Et du coup, on s'est inquiété d'elle que à partir de ce moment-là. Du coup, j'ai calé un petit. Ah bah, en fait, ils t'ont fait chier à chercher à tourner en rond alors que c'est juste au milieu qu'il faut aller. Non, mais attends, j'ai un problème. J'ai un problème, j'arrive pas à descendre. Tu peux me TP? Se paie. Attends, j'arrive pas. Oui, là, je pense. C'est bon. Là, je pense, faut aller jusqu'au bout. Donc, du coup, j'avais. Bah, tu sais, je te l'avais dit, j'avais réussi à caler un petit. Oh, bah, c'est dommage qu'on soit pas allé dans la même école ensemble parce que moi, je me suis inquiété, perso. Voilà, j'ai calé un petit truc comme ça. Je trouve ça. Bah, c'est très gentil. Elle a rigolé, donc peut-être que ça lui a fait plaisir, mais dans sa tête, c'est en mode, ok, je suis avec un fou. Il veut quoi, lui? I need to go down, but the button to the elevator is missing. Find the button for the elevator. C'est quoi, ça? Faut trouver un bouton pour l'élévateur. Bah là, j'ai trouvé, je crois. J'ai trouvé pas mal de boutons. Attends, je prends la boue. C'est là. Bien, là. Ah ouais, mais ça, c'est pour descendre. Mais c'est marqué not working à côté. Not working... trouver le bouton qui sera placé juste ici. Ah bah bouton! Tu l'as trouvé? Ah non, c'est de la lumière. J'allais dire putain, quel PGM! Quel branleur! Waouh, il y a une superbe salle ici. Alors là, franchement, superbe la salle, hein, la salle qui sert à rien. Avec des tout d'un. Ça t'a pas bloqué au moins? De quoi tu parlais de quoi? Comment ça s'appelle qu'ils sont à ce book? Non, ça va.
Ça va, elle a pas trop... J'ai trouvé le bouton. Ça va, elle a pas trop... Enfin, après, moi, elle m'en a pas parlé. Enfin, après, le problème de Facebook, c'est que tu sais pas ce que les gens pensent. Donc, ça se trouve, elle me prend pour un gros tègre, là, ou un gros pervers, ou que sais-je encore. Mais elle me le dit pas. Mais c'est comme je te l'ai dit, hein, des fois, quand je vois qu'elle a vu mon message et qu'elle me répond pas sur l'instant présent, je suis en mode, elle va me bloquer. Un jour ou l'autre, elle va me bloquer. Lise, essaye de... Vas-y, reste là. Là, tu te mets là, tu vois, et là, il y a un bouton. Oh. Tu le spams, le bouton. Là, tu grimpes là. Et tu spams le bouton, et moi, j'essaie de voir si ça cherche quelque chose. Essaye pour quelque chose. Ouais. Vas-y, spam. Attends. Ah, c'est bon. Il y a Alexo qui demande s'il peut venir en vocal. Bon, Joey a dit non, c'est non. Oh, elle est super gentille. Allez, amène-le. En vrai, il est vraiment très sympa, ce gars. Un bon petit gars. Eh, on sent que ça lui manque, hein, quand même, d'avoir des copains. Oh, pour être méchant. Mais va dire salut les copains. Tu sais, enfin pourri. Je vais manger dans Zemar. Bon, cette série, c'est n'importe quoi. À partir du moment où j'y pousse Hermione, c'est bon, la série, elle est devenue n'importe quoi. Manger dans Zemar, on donne mes parents m'attendent. Tu me fais trop bien. Ah bah désolé, je dois y aller dans 10 minutes. Quoi? Ah, mais je plaisante. Ah d'accord, ok. J'allais dire, bah non, s'il y en a un qui vient et puis que l'autre repart, ça va être plus drôle. Moi, j'en doute pas que Lexo regarde ses vidéos et va dire, oh, il se fout de ma gueule. C'est ça. C'est un bagnac. Oh, je... oh ouais, c'est un bagnac, je le mets un peu de côté parce que c'est pas un truc, bah, c'est un cliché peut-être, mais c'est trop cliché donc je le dis pas souvent. Mm. Je suis sûr que ça doit les saouler, ce truc. C'est un peu comme les belges avec les frites, quoi. Et le sun, bien sûr. Alors, c'est très bizarre, on voit rien. C'est très intéressant pour ceux qui regarderont la vidéo, hein, que j'appuie sur un petit bouton. Mais c'est relou parce que ça fait rien dans l'ascenseur, ça fait rien dans la salle où tu es. C'est là où je suis, y'a rien. Même dans la salle toile d'araignée qui sert à rien. On est bon, ok. J'ai encore combien de rangées là? Oh putain, j'ai pas fini. Oh j'ai pas tué. Arrête d'appuyer sur le bouton parce que là, je comprends pas. Ça me... Arrête d'appuyer sur le bouton, rajoute de la place pour l'exo et puis. Eh, appuie sur ce putain de bouton. Des bouton. Et toi, de quoi là? Parce que là, il y a une. Même là-bas, je suis quelqu'un, il n'y a rien. Mes couilles sur un plateau. Mes couilles sur un plateau. Tout, tout. Moi je fais des rototos. T'as dit rototos pour un donné là? Ah non, mais moi quand je rentre, je rentre. Faut rater le coca. Faut rater le coca. Alors, sache que je ne bois pas de coca. Le coca. Non. Hier soir, qui avait bu un rosé fait avec de la noix dedans, deux sortes de vin rouge, de coca, monsieur, de la voilà. Bière. En sortant de table, j'étais ça va, mais ça tourne un peu. Non, je ne bois pas de coca. Voilà. En plus, tu pourrais pas dire oui, il me dit ça parce qu'en plus, c'est filmé. Hein. Oui, parce qu'en plus, là, toutes les conneries que je dis, c'est même pas parce que je suis bourré. Hein. Tu bois pas de pétillant ou... Non. Ah bon? Je suis comme ma mère, j'aime pas les bulles. D'accord. J'ai failli dire, je suis comme ma mère, j'aime pas les... Non, autre chose, un truc qui commence par N. Mais en tout cas, Alexo, on est des grosses merdes quand même. Parce que pour pas trouver la solution. Mais non, mais pourquoi j'ai.
Je vois plus, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Attends. Bon, c'est où ça? C'est où la suite? Bah, je sais pas, il y a un bouton avec de la redstone, ça active forcément quelque chose. Mais bon, ça aucun pétillant, rien. Pas de champagne, pas de cidre, rien du tout. Quoi. Rien du tout. Même pas tester un petit peu d'alcool. Bah, on a pas besoin. Ce putain de bouton. Bah pour ça, je veux pas savoir ce que ça active en fait. Bah, j'aime bien bourrer de temps en temps, c'est rigolo. Tu vois des éléphants, tu vois tout. Moi perso, j'aime beaucoup la bière. Ouais, bah moi aussi. Moi je bois pas l'alcool. Je suis buveur de bière, j'aime beaucoup. L'alcool, c'est pour les alcooliques. Et hier, j'ai réalisé que j'avais plus une préférence pour boire le vin rouge que le vin blanc. Ah ouais? Ah, ça c'est, ça, ça c'est quand tu bois de plus de rouge que de blanc, ça veut dire que tu commences vraiment à être vieux. Ça veut dire quoi? Tu commences à être vieux, tout simplement. Bah alors, pourquoi je dis le vin rouge? Parce qu'en fait le vin rouge je le digère bien, et en fait je me suis mis par rendre compte que dans les périodes de fêtes, là, Noël et Nouvel An, où j'ai bu, on va dire, un peu plus de vin blanc. Bah, je suis fragile un peu de l'estomac, enfin niveau estomac j'ai remonté en gros vers jusqu'à l'œsophage et c'est désagréable. Mmh. En gros le vin blanc, bah, je suis sensible à ça. Ok. Rappelez ce bouton lit. Parce que vin blanc c'est plus sucré, en fait. C'est fruité, c'est sucré. Alors que le vin rouge, bah t'as plus l'aspect sec, t'as plus de goût. Tu vas me dire si ça ouvre la glowstone ou pas. Ouais. Ok. Oh, d'accord, si je ne me trompais pas de ça. En fait, ça joue à Minecraft et moi je parle de vin rouge. Sans déconner. On dirait Gérard Depardieu. je suis en train d'appuyer, Lid, ça fait quelque chose ou non, ça fait rien du tout, nada. C'est quoi cette map de merde là, putain? Les maps de merde. Bah, c'est pas que c'est des maps de merde, c'est qu'il y a de la redstone, je sais pas ce que ça ouvre en fait. Ma bite. Est-ce qu'on n'a pas un truc genre qui se pose sur un bloc et puis qu'on le sait pas en fait depuis le début? Parce que moi j'ai les torches de redstone qui peuvent se poser sur les planches d'acacia. Mmh. Mais il n'y a pas de bloc d'acacia ici. Bah dis donc, mais moi j'ai rangé mes cartes comme ça, mais n'importe quoi. Ah attends! C'est toi qui ouvre des portes? Oui. Ah. Non, attends. Attends, viens pas. Ouais, bon, si tu veux, viens. Attends, t'es pas en train de me dire que c'est ça, attends. Non, ok. Super. La réponse est... Non, mais parce que j'étais prêt à dire, non, mais attends, me dis pas que depuis tout à l'heure, on appuie sur un bouton qui ouvre des portes qui sont déjà ouvertes. l'arnaque, quoi. La tabarnak. Bah, il est là, l'exo. Bah non, parce qu'il attend qu'on libère la place, mais ou alors il vient pas. Pourtant, il avait rajouté une place pour Drake, non? Bah oui. Attends, je vais lui demander s'il peut rejoindre. En retard. Parce que le pauvre, il va dire, oh, dis donc. Parce qu'il est en train de manger. Non, non, il est toujours en live, non? Je sais pas. Il est toujours en live. Bah si il y a rien, peut-être, peut-être qu'il attend de couper son live pour... Non, il peut pas rejoindre. Ah bon? Ah. Il y a un souci. Il y a un souci. Ouais. Il y a rien dans les tonneaux, il y a rien... Il y a de Pokémon sur ta chaîne, Rémi. Ah, il y a des livres. Tant pis. Il manque de Pokémon, qu'est-ce que tu veux que j'ai dit? Il y a des livres. Il y a des livres. Ouais, mais je pense que les livres ils sont pas importants. Non, c'est ce putain de bouton quoi. Qu'est-ce qu'il ouvre? Ah, ça va que tu fasses au moins un jeu Pokémon. Au moins un. Bah, peut-être un jour. Ah, oh, peut-être. Ça, pas... ça me dérange jamais. si on me spam, fais du Pokémon, c'est pas comme ça que je le ferai. Fais du Pokémon Fais du Pokémon Hey. Pokémon, si on veut dire.
Rémi, on a fait du Pokémon tout à l'heure. Sur la première map. Oui, on a fait Pokémon tout à l'heure, mais voilà. Je serai ton esclave pendant 3 mois. Je serai ta pute. Pokémon, je te suis pendant 3 mois. Oh, ouais, il y en a qui le font, et ça m'intéresse de voir ça en commentaire. Tu de vidéo. Tu sais quoi? Si. Si. Vas-y, calme ta gueule avec toi. Vas-y. Si je me marie avec la donzelle avec qui je parle actuellement, je fais un jeu Pokémon. Oh, mais sans dire jamais. Non, tu es bon, enculé. De merde. Vite. Quoi? Appuie sur le bouton. Je crois savoir ce que ça ouvre. Je crois que c'est la bonne. Comme la gonzesse. Attends. Je sais qu'il allait me dire si je me marie, tu seras mon esclave pendant une année entière. Attends, je suis coincé dans une toile d'araignée. Attends. Il est en train de la payer. Mais c'est pas quel jeu Pokémon? Attends, c'est normal, tu as pas pu l'animer. Non, ça fonctionne. Bah non, ça fonctionne plus. Limite. C'est quoi ton jeu Pokémon préféré? Le Pikachu, le jaune, la version jaune. C'est un Game Boy Color. C'est la version que j'ai commencé. Ah ouais? Ouais. Pokémon jaune. Et c'est le meilleur. C'est une version qui est excellente. Mais personnellement, j'ai une préférence plus pour les versions argent, or, cristal, ruby, saphir, émeraude. Et appui. C'est celui où j'ai joué le plus. Ok. Ils sont excellents ces jeux-là. Non, ça marche plus les boutons. Ah si, c'est bon. Alors, t'es content quand t'avais le Mewtwo niveau 70, hein? Yes! Bah, bon, ouais, alors tu sais quoi? J'en ai plus rien à foutre de cette map, elle commence à me gaver. Vas-y, je sais pas où t'es là, mais sors de là. Moi, je veux savoir le fin mot de cette histoire. Qu'est-ce que ça ouvre cette merde? Au secours! On est bien ok! Je comprends pas. En fait, c'était censé. En fait, t'étais censé appuyer une fois sur le bouton. Regarde dans ton inventaire, au pire, si ça t'avait pas looté quelque chose, peut-être. Dans mon inventaire, un levier, un bouton, quelque chose dans le genre. J'ai une potion. Non. D'ailleurs, c'est ça que j'ai eu. Ou un casque. Okay, ou sinon, j'ai un livre. Non, c'est pas ça. Ou sinon, on a un autre truc à faire, hein, c'est regarder la solution. Hein. Non mais viens avec moi, c'est bon, je rachète cette zone parce que je la comprends pas. C'est comme Macron, on comprend. Non mais là c'est bon, là au bout d'un moment, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. je veux bien voilà qu'on rigole, mais au bout d'un moment, si on n'avance pas dans cette map, ça va pas être très intéressant pour les viewers. Bon, c'est une map en anglais, on comprend pas tout. Bah ouais, non mais attends, ça dit trouver un bouton pour l'élévateur, donc le bouton je l'ai trouvé, mais c'est ce putain de bouton avec de la redstone que je comprends pas qu'est-ce que c'était censé ouvrir. Et on est sur la bonne version du jeu, donc ça vient pas de nous qui déconnons, ça vient du jeu qui est de la merde. Tu joueras plus tard. Comment j'ai enlevé son entrée, il avait l'air déçu. Bah ouais, je suis déçu. Hein? Oui, je vais mourir. T'es tombé dans le feu. La map a peut-être bugué, non? Ouais, la map, oui, non, mais ça arrive souvent, c'est avec de la redstone des fois que ça bug. Bah oui, puis vous êtes en bonne version? Bah ouais, on est en 1.16.2 et c'est ce qu'il faut. Par contre, c'est normal, je suis encore en feu, moi. Non, c'est pas normal. C'est le braille. Il a possédé mon perso. Essaye de faire venir l'exo. Bah, il y a de la personne pourtant. Finalement, Drake il est pas venu. Non, il y a le couch. Ah, ça y est, regarde. En même temps, il s'abonne, hein, donc je pense qu'il a bien mérité qu'on l'invite pas. Le fumier. Mais c'est bizarre s'il peut pas rejoindre alors qu'il y a la place. Bah, ouais. Sauce.
Bah, je vais lui envoyer un message, je vais lui dire que bah, normalement. C'est bon, yo Digus, où es-tu? Il n'y a pas de d'histoire qui se décoro complètement. Qu'est-ce qui se passe? C'est un combat d'un boss. Je comprends pas en fait. Un boss, d'accord, ok. Lol. Cool up. Et j'ai tué le boss, mais on ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps le boss. Mmh. On est trop fort, c'est bon. Hop, salope. Oh. Il était spontané déjà. Salope. On dirait nounours. Salope. C'est ça. Il faut que tu regardes si t'as pas un heal crystal dans ton inventaire. Un quoi? Un heal crystal. Normalement c'est des objets renommés en anglais. Tu m'as l'air bien grossier. Non, je l'ai pas. Ah ça y est, j'en ai un, voilà. Non, stop. Pour checker du coup. Salope. Pour checker du coup, s'il y a bien la place pour l'extra, parce que bah il peut pas rejoindre, c'est bizarre. Peut-être que Discord il a aussi bugué et qu'il a dit que bah il a décrété qu'il ne voulait pas. Je sais pas. Ah c'est Steven. Ah non c'est pas Steven. C'est Moonlight Shelton. C'est la Mouyaga. Oh là. Yo, c'est parti une squelette. Allez, il reste rien là. Pèse-le. C'est bon, je l'ai. Il m'a donné son poison soul. Tu m'as le poison soul. Bah comme tout le monde, hein, t'es un cœur. En tout cas, ce chapitre 1 est bien long. Comme... Ah, Hero Braille! Heureusement, c'est que je suis trop. Regarde, il est là, Hero Braille! Sac à merde, viens ici! Viens ici, sac à merde! On va défoncer ta gueule! Viens là! Allez! Sans combat! Command! Bien long combat! Is it true, Steven? I will let you go! Spirit! Watching you leave with sadness! En plus, il a une sale gueule, en plus, c'est un break. Il sait comment utiliser, il sait comment ajouter plus d'utilisateurs, du coup, bah oui, il sait. Évidemment qu'il sait comment ajouter des gens. Fuck you, bitch. C'est des gérons bien, bien poussés là, bien exagérés comme dans les GTA d'avant. Ouais. Ah shit, here we go again. Ouais, c'est ça. Big smoke, big bitch. Big blue yoli. Je croyais que t'allais dire ça au début. Non. T'as dit big, moi j'ai pensé à Flo quand derrière. Par contre j'ai un problème, je suis bloqué. Je peux pas aller à la porte. Il faut une bravo. Soit c'est bout du McDonald's. Oh putain c'est quoi cette map de merde. Viens là. Merci. Ouais, troisième, quatrième fois qu'il le dit, c'est quoi cette map de... Non, mais sérieux, on n'y arrivera pas. Viens dans l'ascenseur. Encore une série qui va être annulée. Non, on a super bien avancé, c'est bon. Non, mais c'est bon, quoi. Kingdom Hearts, encore... Une journée entière foutue en l'air. Non, ça va, le début d'après-midi, ça s'est bien passé, quoi. On a fait le truc de Nintendo, c'était trop bien. Bien, c'est que quand je me pointe, ça se passe mal. C'est toi qui porte la poisse, là, t'es chiant. Ta gueule. Non, c'est heureusement t'es là, Jo, pour nous mettre un peu d'ambiance quand même. Hein. Non, ouais. Jo, il apporte le bonheur dans la vie. Le bonheur dans la vie. Sa femme devait être contente. Voilà. Et il dit ça, quand tranquille. Laisse ma femme tranquille. Laisse ma femme tranquille. Il n'a rien à voir dans cette histoire. Lui, il avait. Bah, c'est grâce à elle que votre lignée continue finalement. Enfin, grâce à vous deux. Bah, oui. Bah, si, ne dites pas le contraire. Bah, hein. C'est Dieu, c'est pas moi. Oui, mais la petite reine, c'est tout, hein. Mais non, c'est maman et papa cigogne, que c'est les cigognes qui apportent les butées, c'est pas les parents. On en donne beau.
Bon, ça fait un casseur de rangée, je suis content. Super. Ce salon est plein. Ouais, c'est ça. Mmh. J'ai envie de me tabasser les boules. Pourquoi t'as envie de te tabasser les boules? J'ai oublié une rangée comme un connard, je me tourne décalé, non! Quel gros con. Je suis reparti. Suck my dick. Vous quoi, je vais faire une pause, je reviens dans 2-3 minutes. Ok. Ah, il est prêt! Oh bah oui, parce que là, je vais pas faire. Mais c'est vraiment chapitre 1, ça, j'ai l'impression d'avoir fait tout le jeu. Allez, je reprends. Allez, on peut descendre ou pas? J'ai eu lui péter la gueule. Ah, il est en train de nous parler. Oh, je peux même pas tirer une flèche pour le troll. Vas-y, on va te défoncer ta gueule, bâtard. Ça fait combien de temps qu'on est sur cet épisode 8? 1h10. Ouais. Oh! Il a tué notre ami! Piste! Non, oh, c'est... Oh, il y en a pas à la droite. Quoi? Oh, je... Attends, et Robra, il m'a regardé derrière chez nous. Ah, il est où? Il est parti. Il va nous... Par contre, on est d'accord que ça fait pas peur pour le moment, on est d'accord. Non, c'est plus rigolo. Oui. Attends, c'est quoi ça? Le boss! J'ai des conneries. Putain, le boss numéro 4, ma gueule. Ah. Il est où? On va devoir affronter l'expert. Ah oui, c'est le dernier, je crois que c'est le dernier. Je sais pas où. Après, c'est fini. Non, le chapitre 1 fini, quoi, après. J'espère. En tout cas, c'est plus intéressant que Kinder, ça. Ah ouais, non, mais là, c'est juste qu'on a été mauvais pour l'énigme du bouton, qu'on sait pas qu'on n'a pas eu d'indication. On était vraiment mauvais. Mais ouais, faudra, après l'épisode, faudra régler le souci avec l'exo. Ah! Oh putain, il me tire dessus, l'enculé. Bah c'est Robrain! Non, c'est pas lui qu'il faut attaquer, c'est... il est à côté de toi le boss. Bah. Ah, c'est non. C'est bon. Oh! 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 Redstone. Oh, il y a de la salle de redstone. Ouh. J'ai le téton qui devient dur. Oh. Une armure en diamant pour toi là si tu veux. Oh. Tiens, j'ai laissé un os. Chagas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment te dire? Je t'aime. À la folie. Non, c'est pas vrai, hein. Je rassure. Oh, je vais... On a chanté ça d'un coup. Je sais pas. Mais il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas d'indication, il n'y a rien. Ce jeu est cassé. Ce monde est sérieux. Tu. Oh, t'es beau en diamond. En diamond? C'était des diamond? J'ai posé du stuff parce que je suis beaucoup trop. Ah, bah attends! T'as un levier? Non. Non, mais je sais pas si. Regarde là. Là. Regarde. Si, là. Il y a une salle de redstone, d'accord, mais. Mais je suis beau. Bah non, il faut aller où? Voilà. Ah. Boire un petit peu d'eau. Tu as raté le sexiness 1, quoi? Je bois un petit peu d'eau. Ah. Non, c'est Harvey. Il faut s'hydrater. Donc, qu'est-ce que j'ai raté? Tu as raté qu'il y avait une salle de redstone et que j'avais dit que j'avais le téton qui durcissait quand il y avait de la redstone. Ouais. Comment je fais pour descendre? J'imaginais pas la réaction de Lit. Ouais, moi j'ai rigolé. Oh, ce qu'il est habitué dans ce cas-là. Ouais, bah ouais. Surtout avec moi. Rien, quand mais je comprends pas, c'est en hiver. Moi? Ah non, alors sachez, ouais. Monsieur, que j'ai réussi à faire pointer les photos.
femme une fois, il y en était pas en hiver. On était en été. Mesdames, si vous avez besoin de quelqu'un, je suis là. Attends. Mesdames et messieurs. Je crois que j'ai trouvé. Mets-toi ici, là. Dans, ici, là. Là. Ouais. Non, ça fait rien. Merci, Lily. Ton intervention. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais j'ai l'honneur de vous présenter. Mais je suis débile. Le durcisseur de téton. Oh la vache. Avec son grand talent, il va vous durcir les tétons. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre des secrets, Mac? Oh. Oh, attention à la lave, Lita. Et il va vous faire une démonstration. À l'oral, bien sûr. La fille qui fait le plus bel orgasme, je l'appelle. Il est en train de brûler. Je crois pas. Moi, oui. Moi, dégueulasse, oui. J'adore ça. Vous êtes dégueulasse, Paul. Mais j'aime vraiment. Ça. Ah, tu l'as vu? Ouais. J'ai vu quand vous en avez parlé la première fois. Et alors? Ah oui, c'est vrai que je me souvenais de ça. C'est vrai que ça existait, ce truc-là. Et là, c'était quand j'étais tout jeune. Quand j'avais chié dans ta poche. Oh non. Ça, à mon avis, on va affronter Robray. Ouais, viens ici, salaud. Si vous avez tenté le défi une fois de regarder une vidéo, je sais pas, une vidéo un peu dégueu. Un peu dégueu. Je suis One Cup Two Girls par exemple. C'est quoi là? Bon, je vais pas le dire, ça sera hors vidéo parce que c'est dégueulasse. Ok. Tu sais, on a parlé de la chatte d'Hermione, on a parlé de. On a parlé des petits temps de. Sauf que là, c'est le genre de vidéo qui peut être vrai et que je veux pas que les viewers tapent sur internet parce que c'est pour pas regarder. Ok. Je rappelle aux gens d'ailleurs que je n'ai pas vu. C'est ça le problème. C'est qui a pas vu. Tiens, dans le hopper, tu mets le truc de charbon que t'as eu là. Ouais. Juste. Tu es droit et puis tu mets la souris dedans. Là. Ah non, je suis mort. Évidemment, les viewers vont taper sur internet pour savoir ce que c'est, vont regarder. Mais ne faites pas ça. Franchement, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, les enfants. Moi, j'ai regardé ça une fois et j'ai vomi au bout de 5 secondes. Ah. Oh, on s'en va vers l'autre cieux. Ah, ça sent la fin du premier chapitre, tout ça. Bon, vas-y. Mais bon, on a quand même vu son chapeau. Cousin de Noah. Oh, il nous a trompé avec le cousin de Noah. C'est qui Noah? Je connais pas Noah. Nalik. Bah, je connais Yannick. Ça veut dire que Herobrine est fakir aussi. To be continued. Ah, to be et continued. Joachim Noah, bien sûr, je connais. Hey, to be continued. Oh. Là qui est lol. Ouais, le journal d'Alistair. Ah, le journal d'Alistair, j'aurais bien aimé le trouver pour ça. J'ai téléchargé la nouvelle map pour encore plus de fun. Ils apparaîtront en 2025. Et en vrai, vite, on a presque fait un 100% sur ce chapitre 1. Bah ouais, on a manqué 3 trucs et c'est bon. Ouais. Oh, tu sais quoi? Petit cadeau pour les gens, on casse cette porte et on voit ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Bon, 500 likes, bien sûr. Escape. Ok. Si ça tombe, si on atteint 10 000 likes, je casse le mur. C'est la scène post-générique, en fait. Ah bon? Ouais, je pense que c'est un délire comme ça. Ouais, puis tu vas voir, il va rebrandir sa grosse tête, il va apparaître, tu vas voir, on va flipper sa mère. Is there anybody out there? C'est Titanic, ça. Non. J'ai pas vu souvent ce film, j'ai pas vu souvent, mais la dernière fois que j'ai vu, là, putain, j'en ai vu les frissons de sa mère. Ils ont fait un Titanic 2, il est nul. Non. C'est... Mais y'a quoi après? Il est sorti en 2012.
Mais ils ont fait quoi sur ce film? Et aux États-Unis, ils ont fait un film qui s'appelle Titanic 666, qui a pour but de parodier en film d'horreur le Titanic de James Cameron. Oh non, un truc à jamais faire. On parodie pas quelque chose, une histoire vraie. De jamais faire ça. Il faut être teubé pour faire ça. Bon, Lee, je pense qu'on peut arrêter cet épisode-là qui est beaucoup trop long pour les gens. Du coup, les amis, déjà, merci à tous ceux qui regarderont en entier. On a passé beaucoup, j'avoue, parce qu'on avait dit que ça durait une heure normalement, bah là ça a duré 1h20. La preuve, hein, on a galéré pendant 20 minutes à peu près. Merci à toi et Joe pour être avec nous, pour mettre un peu d'ambiance. Bah oui. Et puis sinon, bah n'hésitez merci pas. Merci à vous pour les blagues de cul. Ouais. Et puis. Je crois pas qu'ils ont envie de s'abonner à ma chaîne. Non, c'est pas du cul, c'est une blague de sexe. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pareil. Ouais, le cul, c'est la vie, on dit. Hein. Là, il est basé sur le domaine sexuel. Et puis, bref, en tout cas, la suite de ce chapitre 2, ça sera très bientôt, évidemment, sur la chaîne. Nous, on sait pas quand on le fera, mais en tout cas, quand ça le fera, vous inquiétez pas, vous serez au courant. On vous fait plein de petits bisous partout. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes, évidemment à sa chaîne à notre ami Sora Missia. Si vous voulez voir des autres blagues comme ça, bah, allez voir sur sa chaîne, hein, je pense qu'il en fera aussi. Et puis tout le monde, je ne fais pas des blagues de sexuelles aussi souvent sur mes vidéos. Donc... Ouais, c'est juste pour. C'est plutôt sérieux. Ouais, c'est comme par exemple, c'est dur, tiens, vas-y, je suis plaisir, hein, vas-y, je pars dans des délires comme ça, évidemment sur ma chaîne. Des trucs encore pires que sexuels. Oui. Je dis que la place de la femme, c'est à la cuisine, par exemple. Oh non, ok. Ça va. Non, mais sinon, ça termine, ça commence par A et ça termine par L. Allez, bisous. Bye bye.